Pasteur Michael dit bonjour. Bonjour. Merci encore une fois de recevoir moi ici à Trianon Convention Center pour EULA. EULA, la 9e édition. Alors, ma première question, on va vous dire, c'est quoi EULA? On a l'occasion de causer, recauser pour la 9e fois, nous peut causer aussi. Est-ce qu'on fait un assessment? Un assessment de tout ce qu'on fait dans le passé. Vous connaissez mon message, il parle. Oui. Il peut aller en dehors. C'est-à-dire, moi pas reste dans ben invité, ben du monde qui m'essaie, mais est-ce qu'il y a le dehors de tous les bandes mauriciens en général? Écoutez, c'est difficile pour moi dire où exactement le résultat de tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que je crois que EULA, ça amène une prise de conscience. Une prise de conscience de ben, problème majeur de la société, ben, problème majeur qui peut nous peut trouver dans nos pays, et surtout au niveau familial et au niveau de tout ban mot qui peut qu'engraine la société. Donc la seule chose qu'il me capable de dire, c'est que ENA a une prise de conscience, peut-être pas une réponse à cette prise de conscience, mais certainement qu'il y a une prise de conscience dans la société d'une manière ou de l'autre, et le message au fur et à mesure peut aller de l'avant, peut gagner du terrain. Quand tu gagnes du terrain, c'est une fin d'assessment, c'est-à-dire comment on gagne du terrain au lieu qu'il ne passe en place, c'est-à-dire quand on sortit en dehors de la communauté où était, ben, je me dis, ah, on fait ceci, on trouve le Facebook, ou message, un parent qui n'assistait que tout, il dit, moi, il y a un message important qui utilise ça, ne fait clic dans mon tête. C'est ça où assiste maintenant? Nous avons témoignage, et nous avons aussi, ben, dans les réseaux sociaux, comme des réponses, des remarques, de ce qui est passé, de ce que tu as fini d'entendre, la quantité, je ne pas connaître, je ne pas trop. Mettre mon nez dans tout ce système, dans tout ce département, mais je connais et n'a pas de résultat, je connais et n'a pas de réponse assez positive dans tout cela. C'est pourquoi qu'il nous continue. Si nous pas il n'a aucun résultat positif, que ce soit au niveau de l'Église et que ce soit au niveau de la société, ben, mon col, c'est plus difficile pour nous continuer, perdre-nous les temps et continuer. Parle de ces problèmes selon la parole de Dieu, selon l'Évangile. Tu peux dire où tu peux continuer à perdre du temps, parce que généralement, un pasteur, ou prêcher, c'est à chaque fois dire la même chose, avec le même message avec d'autres mots jusqu'à réussir à atteindre. Oui. Non, mais d'accord. Mais si, nous ne sommes pas capables de travailler en vain. Nous appeler pour porter l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais nous n'avons pas qu'à travailler en vain. Si nous travaillons en vain, nous imposons la question qui faire. Parce qu'il n'est pas possible, quand Jésus demande nous aller et partager la bonne nouvelle, ce n'est pas pour aucun résultat, au contraire, c'est pour emmener une solution dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, de partir de l'enfance jusqu'à la majorité, etc. Donc, nous parler, gagner un sentiment comme quoi qu'il nous peut travailler en vain. Mais nous connaissons pas qu'il travaille en vain, parce qu'il nous connaît que aussi le Seigneur, il travaille dans le secret, dans le cœur de l'homme, et nous avons la foi dans le cœur, qui nous pas qu'il travaille en vain. Est-ce qu'il y a une demande de la communauté qui continue ou là, il dit, bon, pasteur, ça voulait qu'il alors ça sujet-là, parce que ça concerne nous dans la vie de tous les jours, parce que comme on regarde un thème, on cause mariage, on cause la corruption, on cause enfants, on cause éclairs dans la case, c'était un titre à double sens, mais c'est la vie de tous les jours, ça, c'est pas la vie spirituelle, ça, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours, mais nous besoin lier directement avec nous l'état aussi spirituel, nous pas grave, nous, ça élément spirituel de la vie de l'homme. Et c'est ça le tort que l'homme est là. Il ignore complètement le côté spirituel et il y en vit, essaye, vive sans cet apport de Dieu dans ce la vie. Parce que la parole de Dieu est claire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes pas prendre Dieu comme une roue de secours, quand nous peut couler, simplement, nous n'est qu'un crier un petit coup. Mais non, nous avons besoin de la foi dans nos cœurs, et que Jésus dit le fondement même de nous la vie, et que toute nous la vie est basée sur cette relation avec Jésus. Donc, tout ce qu'il nous fait aujourd'hui, il nous capable de dire qu'il
un témoignage qui nous est là, après, même pendant, même le jour même, que la, qu'est-ce que la parole de Dieu a mené dans la vie de tous ces bandits-là, mais c'est bien précieux, parce que quand la vie d'un homme change, la vie d'un enfant, d'une madame, d'un monsieur, d'un couple, l'y changer, l'y restaurer, et il y a une restauration, il y a une guérison, il y a une unité qui revient, mais peine à prix ça. Pas qu'à mettre un prix là. C'est pas qu'à mettre un prix. Pas qu'à mettre un prix qui fait, parce que il est tellement précieux, il est tellement extraordinaire. Moi, je connais qu'il y était. Moi, je connais qu'il y était quand la vie changeait, mon équerre changeait, qui a mené dans mon famille, mon foyer, mon case, et mon capable d'essayer tout, mais bon, pas une réussite. Mais quand finalement l'évangile vient dans mon équerre, c'est là qui m'a la foi en Jésus, finalement, il me sauve moi. Il me sauve ma famille, il me sauve mon foyer, il me sauve tout. Donc, c'est ça le but de tout cela. C'est ça le but de Eula depuis 9 éditions là. Depuis le commencement, c'est ça le but. Le but, c'est ça. Nous n'avons pas envie simplement d'amener une théorie, un principe, une technique. Parce qu'il connaît quand on commence quelque chose. Nous tous connaissons ça. Il y a, comment dire, un élan. Il y a un drive. Mais au moment donné, après qu'il est arrivé, comment il dit fait, qu'on n'a pas pu continuer à mettre du bois là-dedans. Au moment donné, qu'il est arrivé, il dit putain. Mais nous, on n'a pas les détails parce que nous avons envie que ça, le feu de Dieu dans l'homme, il continue et qu'il est capable vraiment de puiser de cela, de cette foi qui est là en le Seigneur. Pour capable faire face à la vie. Mais c'est même pas. Parfois, non, tu fais une du bois. Parfois, bien souffler l'eau, tu fais la vie. Ça, c'est la peau personnelle, c'est la peau de l'église. Qui, quand même, ça souffle là. Parce que parfois, il y a du bois, là, ça bon. Moi, du monde qui habite, fait barbecue. Parfois, bien souffler avec couverture pour que la flamme, elle est là. Mais bien souffler l'eau là aussi. Donne l'envie, venir. Exactement. C'est là le problème qu'il nous faut parler, surtout pendant la conférence. C'est la responsabilité que chaque parent est là. Quand on considère aujourd'hui l'état de la société de ma jeune, hein, parce que les jeunes, c'est la société de demain, l'état de ma jeune, qui nous trouvait ? Nous peut trouver que les parents, à mon avis, ont un sentiment d'abandon. D'abandon dans le sens que nous n'est plus capables, nous payons les temps, nous besoin de travail, nous besoin de payer nos dettes, et nos enfants, c'est comme si nous sommes abandonnés, nous sommes délaissés, et les parents n'ont pas emmené l'encadrement qu'ils ont besoin, n'emmène le temps qu'ils ont besoin, la patience qu'ils ont besoin, l'investissement qu'ils ont besoin. T'as pas payé en même une valeur morale même dans la vie de nos enfants et surtout une valeur spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, si l'homme n'a pas cette foi en Dieu, il n'a pas pour capable qu'il ait sa conviction là et sa drive là et sa vie là. Il peut souffler même là, hein, la souffleur. Ça, c'est ça qu'il a besoin. Mais ça sans le Seigneur. Il est impossible, parce qu'il nous pour noyer par les circonstances de la vie, noyer par tout ce qui peut amener nous. Hein? C'est la cause qu'il nous avait l'argent, le travail, le temps. Le temps aujourd'hui, c'est tout. Tout c'est le temps. Bien connaît les temps. Partout du Côte d'Imoune, plein les temps. Tu veux pas faire ça, on perd les temps. Tu m'occupes de tes enfants un peu, on perd les temps. Tu perds les temps même. Mais qui priorité de nous la vie? Bon Dieu, donne-moi une famille, donne-moi mes enfants. Avant tout, ce qui est capable de passer dans la vie, avant mon ambition, avant tout ce qui est capable de rêver, gagner. Moi, besoin d'un démon responsable de ce que bon Dieu me donne moi. Et la première chose que bon Dieu me donne moi quand je construis une famille, c'est mes enfants. Et ça, les besoins de devenir la personne, l'élément le plus important de mon avis, et je n'ai pas capable de laisser non rien. Vine comme un obstacle entre
la responsabilité qui m'a l'investissement qui m'a été l'encadrement et tout ce qui m'a donné à mes enfants. Vaut mieux, mange du pain du beurre et assurer que mes enfants puissent grandir, protégés, dans la sécurité, enseigner aux autres qui le bien, qui mal. Il ne fallait pas qu'ils apprennent ça dans l'école, apprennent ça dans l'internet, apprennent ça dans notre smartphone. Nous sommes bien capables d'arriver, passer des temps, instruire nos bons enfants, montrer aux autres qui bien, montrer aux autres qui mal, depuis bonheur. Parce que ça même la vie. Je vous dis, c'est ça qui m'a fait dire tout à l'heure, il y a comme un sentiment d'abandon. Bon, parents, comment dire, maintenant, puis prend conscience de ce qu'ils vont dire dans l'autre. Depuis qu'on nous dit à l'heure, on ne peut pas dire que l'homme ne faisait pas de travail, ne faisait pas responsable. Nous faisons travail, nous faisons gagner responsabilité, nous faisons responsable de nos foyers, nous faisons amener de quoi dans la maison, c'est ce qui nous capable. Mais il ne faut pas laisser ça devenir la priorité de nous, la vie. C'est pourquoi on dit qu'il vaut mieux manger du pain, du beurre, fromage, banane. Et trouve nos enfants grandis dans la sécurité, protégés de la drogue, de l'alcool, de tout. Nous disons, ben, petits enfants, 12 ans, 13 ans, ben, parents, pas connaît qui peut passer en toute la vie. Pas connaît. Notre à l'école, notre film, la drogue, notre entre la case, parents, pas connaît. Dernier coup, il faudrait une catastrophe passer. Il faut des enfants là, ils abusent. Il faut des enfants là, ils violent. Il faut des enfants là, ils ont un problème. Ils quittent la case, ils allent, ils peuvent faire fugue. C'est pas qui. Les gens disent, qui peut passer avec vos enfants, mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir les autres, qu'est-ce qu'on fait pour encadrer les autres, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les autres, pour investir en les autres, pour montrer les autres, fais attention, ça, faut pas te faire ça, ça n'est bon, ça n'est pas bon ça, attention aux mes camarades, qui sont capables d'améliorer toute la vie, tout ça, 80%, on me dit 80, on ne connaît pas quelquefois plus même. Pour cent de la responsabilité de leurs épaules, ban parents. Vous êtes d'accord avec moi, Pasteur Adi, qui vient de formation ban parents. Vous pas parents par accident. C'est pourquoi nos responsabilités, c'est porter la bonne nouvelle. On dit à l'air là, nous n'avons pas capable éduquer les enfants, travaillent. Pontons nous femmes, amen, prends nos responsabilités sans le Seigneur. Et c'est ça nos buts. C'est emmène Jésus dans la maison. Dans la maison veut dire quoi? Dans le cœur de mes parents premiers. Dans le cœur de mes parents. Pour qu'ils prennent conscience de notre responsabilité et qu'ils soient capables d'investir avec la foi dans notre équerre. Ban valeur spirituelle. Si nous éduquons nos enfants, si nous instruisons les autres dans les voies de Dieu, des petits, quand vous êtes pour devenir grand, la parole de Dieu dit, vous n'a pas pour qui ça. Mais qui nous fait à nous? Nous mettons bon Dieu des côtés, hein? Comme on dit, notre cinquième la roue, nous mettons bon Dieu des côtés, nous vivons la vie, nous ne prenons pas compte, nous perdons la foi, nous ne comprenons qui Jésus fait pour nous, nous vivons la vie, et finalement, quand nous pagayons le Seigneur, nous la vie, qui arrive? Et là, comme la rivière peut passer, avec tout le monde là-dedans, chacun peut faire ses affaires, nous tout peut courir, la même les courses. Après casse, après ceci, après cela, les enfants mettent des côtés. Dis-moi, pasteur, parfois, Ban Mauricien, nous connaissons Ban Mauricien, c'est très religieux, c'est très pieux, mais parfois le Seigneur est dans la case, il a une portrait de Jésus, il a la croix dans le salon, il a un petit endroit à faire la prière, mais ça aussi, Jésus est dans la case de Dieu. Non, regarde ça, à nous cause la vérité. Cause la vérité. Ou de moins d'occasion, cause la vérité, ou pas pour faire. Regarde ça, bon Dieu, il n'est pas un bit. Thomas des affaires, ou qu'à tout ça. Bon Dieu, c'est pas une petite représentation de quoi que ce soit. Bon Dieu, il habite dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ou capable, et dans la case, tout ce qu'il nous dit, voilà. Pas besoin de répéter, moi.
tout ce qui vous dit moi là au Kababena. Et pourtant, bon Dieu pour vous, il est bien bien loin. Il dit combien de la roue 5 ans la roue là dit. Pas prendre compte, pas dans rien, pas dans où la vie, ou pas faire dans rien, ou pas prier bon Dieu, ou pas gagner la foi en Jésus, ou pas comprendre qui Jésus nous fait pour vous. Tout ça, ou ignorer, mais pourtant on a tous ces petites affaires là. C'est pourquoi ces petites affaires là. Pas vaut dans rien. Ce qui vaut dans la vie de l'homme, c'est qu'il y prend conscience qu'il y a besoin de Jésus dans ce la vie, dans ce l'équerre, et qu'il y reconnaît qui Jésus il fait pour lui. Et que Jésus devenir ce sauveur et ce Seigneur. Léa là où comprend plan bon Dieu. Justement, nous qui te plan bon Dieu, nous plan humain, c'est qu'il ben humain, vous êtes d'accord avec moi, pasteur, c'est qu'il ben, je compte à mes affaires de ton zim. C'est-à-dire, là, l'époque de l'examen, nous avons des parents, nous avons des pères Laval, nous avons des pères ici, là-bas, pour que nous avons passé l'examen. Moi, une maman malade, nous avons prié pour nous, parfois, sur le Facebook, c'est qu'il y a sur le Facebook, trouver une maman malade, puis à l'hôpital, qui est malade, qui est prié pour nous, prié pour nous. Parfois, moi, bon Dieu, là, nous servir, quand mon Dieu a dit, c'est quand on vit, quand on vit, c'est-à-dire quand nous sommes un peu dans. Parce qu'il y a un autre nom, mais vous direz un peu plus diplôme. Ouais, quand nous, comment l'être humain dit donc, pince, qui fait ça? Mais c'est ça l'homme. Ouais, l'homme est orgueilleux, l'homme est égoïste, il guette sa propre la vie. Et puis ça, quand il arrive, il se prête sa précipice là, comment dire, il est prêt pour tomber là, il guette pas derrière, il guette si bon Dieu la même. La main, avec moi, la main plus possible. La marche, c'est avec le Seigneur tous les jours de la vie. La foi en Jésus, c'est tous les jours de mon vie. Mon confiance dans Jésus, c'est tous les jours de mon vie. Et quand ça la foi là est en moi, moi pour comprendre qu'il m'a besoin de transmettre ça aux bons enfants, des pibonnaires, transmettre ça de sa valeur spirituelle là, qui nous instruit les autres dans ma livre. Mais mes parents ont dit qu'il y a problème. Mettre notre confiance dans l'Église pour instruire les autres enfants. L'école pour instruire les autres enfants. Bisous. Puis la responsabilité du tout. Mais peut-être que je prends bien cette instruction-là aussi. Hein. Vous trouvez qu'il y a un décalage parfois, ou pour l'éducation, c'est un bon sujet. Parfois, vous trouvez qu'il y a un parent, les enfants, il y a un certain niveau d'éducation qui, les parents-là, pas capable de suivre. Oui. C'est-à-dire, quand un enfant a une formule mathématique, l'équation, il peut faire la formule 5, papa n'a jamais une fière. Comment il peut expliquer ça aux enfants? Si un parent, pasteur Miguel dit, il peut dans son instruction religieuse, comment il peut pas? Qui est vous passer? Comment il peut pas? C'est-à-dire, il dit, il y a une église, et là, ça, tu as fait la prière, tu as écrit un homélie que des enfants, là, pas pour comprendre, non, pas pour comprendre, non, il pour retourner. Nous rôle là-dedans, quand nous trouvons tout certains problèmes qui existaient là, c'est faire Timoun prend conscience qu'ils n'ont pas pour capable éduquer leurs enfants, vivre leur propre la vie sans Jésus. C'est ça nos buts, c'est ça nos rôles, c'est ça la raison de Eula. Nous sommes capables de causer pas de problème, mais nous avons besoin d'une solution. Cause problème, tout le monde n'a pas tout problème. Mais le problème, ce n'est pas ça qui est une solution pour le problème. Mais nous connaissons la solution parce que nous connaissons qui l'Évangile et qui Jésus est capable d'emmener dans la vie d'un homme. Et c'est ça qui nous envie de faire prendre conscience. Nous peut donner ça va un petit feuillet là. Ouais. Ça va un petit feuillet là. Qui nous peut dire? À nous grandir, nos enfants, comment bizarre. D'accord. C'est pas simplement une théorie qui nous vient une vieille djimoun à la qui problème. Non. Nous emmène la solution. Et si ben, parents intéressés, ils ont comme devinapé responsable de deviner écoute une conférence, ils ont pour comprendre une affaire. Que si je n'ai pas ouvert l'équerre et donne la vie à Jésus-Christ et la foi dans le Seigneur, je n'ai pas sorti aller pas grand-chose pour passer. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur pour conduire nous, pour guider nous, pour instruire nous. Et où vous êtes la voix du Seigneur? Écoutez, moi je sais que quand je parle de la parole de Dieu, comme on parle de la parole de Dieu, je connais
que le Saint-Esprit cause dans le cœur de l'homme. Et si le cœur de l'homme est ouvert, ni pour entendre la voix du Saint-Esprit, et ni pour capable répondre, c'est pourquoi qui nous envie nous? Nous envie, comme on dit tout à l'heure là, en même Jésus, la présence de Jésus, pas tout ce qu'on dit nous, sa présence dans le cœur de l'homme, dans la maison. Mais bien préparation aussi, ça ne va pas venir, moi dire on a un problème la case, carré qui pour cuire, quand vous finissez sortir ici, d'autres yano, qui pourra le manger, qui pourra le manger, la travail dès le matin, bien un état d'esprit aussi pour recevoir un message. C'est-à-dire si vous causez vraiment mauvais pense travail oui. Demain, qui problème vous pourrez aider, quand si vous venez en retard, si vous prenez un transport devant la porte, tout ça, mais ça ne va pas vous passer, mon esprit pour ailleurs. Si ou vine là, un récit vine là, donne-nous l'assurance, et donne toute l'assurance à tous ceux qui disent écoute-moi maintenant, et qui si ouvrent les cœurs pendant ce petit moment, qui nous pour partage le ce sujet là, à nous grandir, nous enfants, comme un bisin. Et qui s'est ouvert à l'équerre, on garantit que les choses pour changer dans notre la vie et qu'ils sont plus capables de comprendre le plan bon Dieu pour eux et pour leurs enfants. Qui plan bon Dieu pour les enfants aujourd'hui? Vous posez la question à mes parents aujourd'hui, il y a une question bien simple. Qui voulez pour les enfants? Quel parent a envie pour vos enfants? Allez, mon cas, en tant que parent, moi qui m'a mis des enfants heureux qu'ils ont réussi dans la vie. C'est... Avant que tu arrives là. Avant que tu arrives là, il y a tout un programme et il y a toutes sortes d'obstacles avant qu'ils arrivent là. Tous enfants ont envie d'arriver, étudier, progresser, gagner un travail. Mais combien finalement trouvent ces enfants dans la drogue, dans la prison, dans ces silences? Pourtant, tout le monde envie. Tout le monde envie. C'est pourquoi je vous pose la question, mes parents, pour dire, moi, ils n'ont pas envie, mes enfants. Fini drogué, mot palé qui totalement sur aussi main d'autres violés, mot palé qui sont abusés par des gens, mot palé qui sont finis dans l'alcool, mot palé qui sont finis sommaire, mot palé qui sont finis dans prison, tout ça dans cette envie. Mais qui prie pour payer vous ça? Tu as un prix pour payer pour que tes enfants capables grandir comme en besoin. Le prix à payer, c'est ta propre la vie pour autres. C'est pourquoi là, ce sentiment d'abandon qui est là, aujourd'hui, les enfants peuvent grandir comme on peut aller, venir, sortir, aller, faire ce qu'ils sont contents, rebelles, désobéissants, indisciplinés, tout est là. Mais que tu es responsable, qui prie, tout est là pour payer. Et ces bonnes parents, vraiment, moi aussi, ici d'ailleurs, et si je prie, parce que j'ai l'impression de dire, mes enfants, j'ai de bons enfants, mon BON, bons enfants, jusqu'à moi dire, j'ai fini 5e, 6e, grade 6, comme on appelle. Mais maintenant, quand je rentre au collège, je commence à avoir une transformation hormonale, c'est là que le problème là vient. Oui. Justement, mes parents, pas après, pour ça, parce que avant, je suis un petit bébé, qui est un petit peu cajolé, un petit peu jeune, c'est que je suis devant, je suis avec un mini adulte qui a envie de faire le coup.
il y a un peu de temps, là, vous êtes capable de prendre soin de sa petite là. Non, comment dire, d'en coller sur l'état d'esprit, tout changer là. Avant, il rentre dans sa colère, l'inbisin finit comprend beaucoup quelque chose. L'inbisin recevoir beaucoup l'avertissement. Qui bon, qui pas bon. L'inbisin capable fini recevoir ben, certaines valeurs morales et spirituelles dans sa vie. L'inbisin fini bien capable d'être équipé d'une manière ou d'une autre pour capable affronter, comme on dit, où t'as là, tout ça va obstacle bien. Là. Tentation, la drogue, l'alcool, en fait, tout ce qui est là. L'inbisin capable d'équiper pour ça. Si t'es pas équipé, 99% pour finir, pas pour capable de gérer ça, pas de problème là, pas pour capable de gérer. Et là, par contre, n'est plus connaît qui peut faire. C'est pourquoi, dans, à nous grandir, nos enfants, comme un bisin, c'est ça, vous répondez, c'est depuis la naissance jusqu'à 12 ans, ça, avant d'être un teenager. Ça, c'est une autre, c'est une autre problématique, ça. Ça, c'est une autre problématique. Nous, on vit capable, prépare ça, ben, nos enfants là, pour la deuxième étape. Comme au pédiatre, là, j'arrive dans l'école secondaire, je tu gagnes 12 ans, 13 ans, mon monde rentre dans l'école secondaire, moi tu as 11 ans, ça l'ase là. D'accord. Ça l'ase là. Prépare tout ça. Plus moi, dans la préparation, quand nous avons les banques chrétiennes, banques catholiques, il y a une bonne phase, bon, nous faisons baptême. Après, l'église, comment dire, après, nous fréquentons les camps en préparation, première communion, confirmation. Après, l'église, nous allons quand on est à Montréal, c'est pas la nuit, le Pâques. Pas une grande, grande fête chrétienne, comment dire. Ouais. Mais je pense que les parents, là, pour ici, j'ai un enfant, j'ai dit aller à la messe vers 12 ans. Parce que nous connaissons, les jeunes, à partir de 10-12 ans, là, j'étais à l'église, mais j'étais plus à l'arrière de l'église, c'est parce que j'ai un camarade, après, avec 15 ans, je n'ai plus fréquenté l'église. Donc, la prochaine fois que je vais mettre pied dans une église, c'est préparation pour mon mariage. Mais qui parents il fait? Parents, il te. Il vient à l'église. Il vient à l'église. Il dit maman, papa, je vais à la messe. Mais c'est pas ça. Quand la parole bon Dieu tous les jours, qui par qui bon Dieu dit? Bon Dieu dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand la parole bon Dieu pour investir dans toute la vie, quand ce qui bon Dieu est n'a pour autre, ce plan, ce parole, ce volonté, ce pas connu par nos enfants là. Vous êtes ignorant du plan de Dieu. Vous n'êtes pas connu. Vous n'êtes pas fait bonnes affaires parce que papa, il dit, maman, il dit, fait des trois petites affaires comme ça pour cassette derrière tout ça. Mais ce n'est pas ça. L'éducation spirituelle, l'investissement spirituel, l'encadrement spirituel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et nous sommes capables aujourd'hui de dire hein, que on dirait que mes parents, vous n'êtes pas l'étendu. Vous n'êtes pas les payer le prix. C'est-à-dire faire le sacrifice qu'il besoin. Faire le sacrifice qu'il besoin. Mais vous êtes get trop vous propre l'intérêt pour vous au lieu de vos enfants. Vos enfants passent en second, si pas troisième, si pas quatrième. Vous passent premier. Mais parfois, quand même, message, on dit pas mes parents, mes parents disent ça, yo, priorité dans ma vie, c'est mes enfants. Et vous, dites-moi tout le contraire. C'est-à-dire. Au fait, la première priorité, c'est la seconde priorité, deuxième priorité. Mais vous pouvez dire où les affaires. Vous connaissez quand on dit mon. Il y a beaucoup de passants. Aujourd'hui, pour rencontrer, combien de monde pour rencontrer? Aujourd'hui, vous me dites, on dit 10 types pour nous rencontrer. Ou vous dites, bon, vous êtes qui manière? Qui répond comme manière? Ou vous gagnez ça 10 types là? Je vous demande une réponse personnelle, mot bien, pour parler, tout bonne femme, bien pour les bonnes enfants, après nous. Tout bon. Sujet, 99% de réponse pour gagner les bons. Oui. Mais moi, je dis que 99% de ma réponse est fausse. Donc, mon camarade va me mentir. Non, je ne vais pas me mentir. Je n'ai pas où les dévoiler les problèmes, la réalité. Et qu'est-ce que ça? Nous nous connaissons. Nous. Vous êtes dans la case. Vous trouvez ça? Nous parlons dans la case, nous parlons, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous disons, nous connaissons qui est dans la case. Nous connaissons qui est problème dans la case. Ou pas besoin d'aller ça, ou les venir au journal, vous finissez connaître qui gros problème qui passe dans la famille, dans le foyer, entre mari, entre madame, et un gros problème de mes enfants ici, qui peut grandir là, vous êtes pétoué tous les jours. La guerre, insulte, problème dans la case. Entre mari, entre femme, entre ma papa et maman. Vous pétoué ça. Et maman peut dire où une grosse majorité de ces enfants là. Vous êtes traumatisés.
par ce qu'ils ont trouvé dans la case entre papa et maman. Donc, c'est pourquoi on peut dire comme 80% de mes parents responsables. Il n'y a pas 99% de tout. Enfin, je ne suis pas comme zoexif, mais on peut dire où ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont entendu. Maman a battu, insulté, la guerre, les enfants allent dans la salle, écoutez à la porte, tout le monde est qui est là, papa et maman. Du coup, grandir les enfants comme ça, qui est bizarre, qui papa et maman la bizarre. Arrête la guerre? Oui. Comment? Pas capable. Seule manière, Jésus. Seule manière, quand Jésus vient dans nous la vie et qu'il nous mette nous la foi dans Jésus et qu'il nous donne nous la vie. Les là, papa, maman sont zé. Et quand papa, maman sont zé, c'est ça l'influence qui pour nos enfants, pour gagner, pour recevoir, et pour être capable de grandir, vivre dans une atmosphère de paix, d'amour, de joie. Les enfants, pas énormes, tout ça. Vous connaissez les enfants de cette aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants payés. Admettons que tu as joué au football, passer une après-midi, une la journée sportive. Quand tu finis ça, la journée sportive, là, vous connaissez ce que je veux dire? Je ne pas les rendre la case. Je ne pas les rendre contre moi. Qui fait que je ne pas les rendre contre toi? Mais contre moi, quand vous pouvez aller là, vous connaissez qui pour vous. Vous connaissez qui pour vous entendre, l'atmosphère n'est pas bonne du tout la case. Vous avez des enfants. 10 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, capable, exprime sa qualité, parole-là. Là, on peut comprendre la souffrance qui est dans la vie, ça va les enfants, là. C'est pourquoi mon Dieu, mon répète tout, et a un sentiment d'abandon. Donc c'est la fête aux parents? Parents! Mais on n'a pas capable de pointer le doigt aux enfants. Parce que les enfants, c'est le produit. C'est le produit. D'accord? C'est pareil, comme on dit, vous pouvez au supermarché ou c'est un savon. Avant ce savon, on a mis l'eau, ça rayon là, là, vous connaissez quand tu me passais? Une telle transformation. Une telle transformation là, mais sous le dé qui est là-dedans, tout ce malpropre, tout ce que ça brille. Vous voulez? Senti, c'est pas luxe, c'est pas l'autre là où senti qui m'aille, où on peut aller. Ça, on est sur les hauts, mais avant, il vient là. C'est pourquoi ces enfants-là, avant qu'ils le désir de bons parents capables de réaliser, qui même le fait dire, tu as content, dit bien, il gagne travail, il grandit, il gagne famille, etc. Mais il a un grand parcours pour faire. Une belle responsabilité pour bons enfants. La discipline, l'obéissance, que tu es là, et bien là. Qui fait ça? Mais, ben, parents, il a travail, comment? Le monde est changé. Et même, comme on veut dire, le temps. Le temps et l'argent. Ça, c'est les deux plus gros problèmes du siècle. Le temps et l'argent. Tout le monde a oublié l'argent. Tout le monde a envie de plus. C'est pas, il n'y a pas une réflexion comme quoi qui est là. Moi, je préfère pas gagner ça, mais qui mes enfants bien et qui mes enfants grandissent bien. Dans la paix, je comprends qui est bon, qui n'est pas bon. Je préfère mon frigidaire, mon loto, mon voyage, mon ceci. Je préfère tout ça. Qui ça? On va dire, il ne fallait pas faire ça, moi. Mais il ne fallait pas vous mettre sa priorité là, avant sa petite à petit là. Mais ça, le problème. Pas mettre ça avant petit là. Ça, c'est secondaire, ça. Mange du pain sec, mais donne-lui tout ce qu'il a besoin. Et amène et qui Jésus lui devenir présent dans sa la case là. Comment faire Jésus, c'est-à-dire avant dîner, nous faire la prière, non, avant nous dormir, nous faire la prière, nous aller un passage de l'Évangile. Non. C'est une façon qu'un parent prenne. Non, ça c'est la suite ça. Ah, mais le commencement était le prélude, c'est quoi? Moi je raconte une petite histoire qui va nous compter mille dollars, mon papa connaît. Dans la Bible, il y a une petite histoire, c'est un petit mot qui s'appelle Nicodème. Nicodème, il dit à Jésus, la nuit. Il dit à Jésus, tu sais, tu es un prophète, toi, parce que c'est un miracle qui t'a fait, incroyable. Jésus, il dit à Nicodème, si toi, Nicodème, tu es un pharisien, un chef des pharisiens,
qu'on beaucoup quelque chose, ça. Et tu dis, allez, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, Gatli, dit, mais Jésus, mais qu'arrivez, mon bizin, rentre dans le ventre, mon maman, encore, et puis ça, net un deuxième coup. Jésus dit, allez, non, Nicodème. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la foi dans ce que Jésus-Christ vient faire lors de la croix pour sauver où et moi et l'humanité entière. Et quand l'homme y croit dans ce sacrifice-là, y croit dans Jésus le Fils de Dieu, il y donne cela vie à Jésus. Fini. Première affaire, Jésus vient dans ce décaire, ni devenir un enfant de Dieu. À partir de là, le Saint-Esprit vient habiter dans ce décaire, et maintenant, cela vie, c'est pour le Seigneur. Donc c'est mon cas. La base. Et c'est ça ce qui m'a fait dans mon avis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mon capable avec assurance, parle de cette expérience, de ce miracle qui me passait dans mon avis et dans la vie de millions et des millions et des millions de personnes dans le monde. Voilà. C'est ça que vous pouvez donner, c'est-à-dire que vous pouvez partager le 15, le 16 et le 17 septembre à partir des 18h au Trianon Convention Center, ça veut dire la renaissance pour mes parents. Exactement. Pour montrer aux autres beaucoup quelque chose qu'ils ont pour besoin aussi faire, parce qu'ils ont une responsabilité. Hein? Nous sommes parents, nous responsables, nous de l'action, de nos paroles, de tout, nous responsables. Mais comment faire ça avec le cœur de Jésus? Comment faire ça et persévérer là-dedans si Jésus n'est pas à la base de nous la vie et qu'il n'a pas nous sauveur et nous seigneur? Donc c'est ça le point capital de Eula. Quand vous trouvez le thème, c'est conférence des parents. Donc, bon, nous définit un peu tout à l'heure, là, parents, ça peut être papa, ouais, maman, concubin, concubine. Oui. Et la fiancée, ce qui prépare le mariage, je vais faire une sorte de préparation au futur mariage, capable de venir. Tout, capable de venir. Même si vous n'êtes pas un parent, capable de venir. Même si vous êtes un parent futur, capable de venir. Même si vous êtes un parent qui ne faillit. Qui pas une grande responsabilité ou vini parce que bon Dieu dit Zamin vous mettez la croix à l'eau. Il faut toujours tendre sur la main et demander rectifier ou Dieu, redresse la vie, ramène ou vers le bon chemin. Ça c'est le Seigneur. N'y a pas désiré les sous aller. C'est pourquoi nous annonçons à bon Jésus. C'est pourquoi nous invitons Dimon. C'est pourquoi nous partout nous parlons de Jésus. C'est pour qu'il arrive réel ce besoin du Seigneur et que c'est le Seigneur qui peut venir derrière lui. C'est pas moi, c'est pas X, c'est pas Y, c'est pas Z. C'est le Seigneur qui peut dire te bise à moi. Fini. Trappe-moi la main, moi pour sortir toi. Moi pour conduire toi. Moi pour avec toi jusqu'à tes derniers jours. Moi pour avec toi. C'est ça qui nous message. Mettre ça la foi là en Jésus. Comment il peut passer ça? C'est pareil même, comment ça peut se faire? C'est-à-dire pour un chant liturgique, pour un chant, pour un clip vidéo, moi supposé. Oui. Comment ça vous passe? C'est un peu du monde qui pourrait intéresser, dire ah, et oui, là. Nous pouvons avoir un témoignage, certainement, nous pouvons avoir un chant, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons avoir l'évangile, la parole de Dieu, nous pouvons parler, nous pouvons prier pour du monde. Nous ne connaissons pas comment ça peut terminer, mais tout ce qui nous connaît, qui? Jésus dit prêt. Parfois, on me pose cette question-là, on pourrait poser. Est-ce qu'il y a le 15 et 16 et 17 ou cause mêmes affaires, ou bien, dis-moi, vous avez venu faire un effort, venir le 15, il gagne un message, il peut faire un message le 16 et le 17, il trouve un peu la lumière de Jésus. La lumière-là, nous pouvons gagner, puis premier jour, même genre. Ah, d'accord. Premier jour, la lumière, deuxième tour, la lumière, troisième tour, la lumière même. Un seul, allez, la lumière même. Mais, un point différent. Tout pour converge vers le Seigneur. Parce qu'il nous connaît, que c'est ça qui change la vie de l'homme. C'est ça qui restaure mon foyer, c'est ça qui répare mon blessure entre mes parents et mes enfants. C'est ça qui est la base de tout. Sans Jésus,
Vous récitez faire ouvrir man les kia manjimon, man parfois man parents qui dire. Oui. Parce qu'il y a les kia dire, man les kia nous, man dire dans le langage. Moi aussi, on pourrait essayer ouvrir un peu, donner un peu la lumière pour tous les enfants, une autre façon comprendre ce trop, les autres galopes de y a leurs ans, de y a tablette, fablette et je ne sais quoi encore. Tout qualité problème nous doit. Tout qualité problème. Nous tous, il sera dit mon redivorcé. Retourne ensemble. Retourne ensemble, c'est le bon Dieu. Ensemble. Tout le monde doué. Nous trouvons nos enfants blessés, abîmés par notre parent. Nous trouvons nos parents. On n'est pas entier que nos enfants. Tout le monde doué. Quand Jésus est là, tout va arriver. Ou un bon Dieu, alors. Hein? Ou un bon Dieu. Non, non, il est mort. Le Seigneur, c'est lui qui fait tout. C'est pourquoi Jésus dit à nous, vous ferez de plus grandes choses que moi. Par la foi en Jésus, nous proclame la bonne nouvelle de l'Évangile et ce parole gagne les Kéadimoun. Les Kéadir, capable d'attendrir dans quelques secondes avec le Seigneur. Un appel pour ben, ceux qui ont envie de venir, écouter vos messages spirituels. Bien sûr, nos messages, c'est non seulement ben, à nous dire ben, conseil et la pratique, ben, conseil aussi spirituel et ben, valeur, tout le point. Hein. Mais moi, si je suis capable, invite ben, dis, vous, dis, c'est pas pour regretter. Nous pouvons vivre un moment quand la cellule familiale peut détériorer, ni connue ni reconnue. Et si quelqu'un, n'importe qui du monde, envie une solution, un réveil dans la case, un remaniement, une restauration, et peut prendre conscience du sérieux de ses enfants qui brouillent une autre là, donne-nous l'assurance qui pas pour sortir là, pareil comme on doit rentrer. Et le point de la foi et l'espérance de quelque chose de nouveau dans notre famille. Pasteur Mickey Audi, merci beaucoup. À moi qui vous me direz merci vous, comme d'habitude. Merci. Me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?